Bonsoir, François Repsamen. Bonsoir. Efficacité des services publics, économie à terme, mais on l'a entendu un coût pour cette initiative. D'ailleurs, c'est ce que dénonce l'opposition municipale. Est ce que c'est bien le moment de dépenser autant d'argent? Si l'opposition municipale travaillait les dossiers, elle saurait qu'on ne dépense pas autant d'argent. Euh, l'argent que nous allons dépenser en investissement, c'est de l'argent que nous aurions de toute façon dépensé car il était évident qu'il fallait moderniser tout ce qui est sur la voirie, tous les instruments de la voirie publique. Il faut moderniser, par exemple, les, les feux, il faut permettre aux, aux bus ou aux trams de passer avec un signal particulier. Donc, il faut moderniser. Une première mondiale à Dijon, oui, on a sûr. envie de dire pourquoi Dijon ben, Pourquoi Dijon Parce qu'on est innovant et parce que la métropole de Dijon est repérée comme un lieu d'innovation. Mais pas de l'innovation pour l'innovation, de l'innovation pour les habitants, des avantages pour les habitants. Je ne, je ne supporte pas que l'opposition puisse dire des choses qui sont fausses. Si on veut débattre démocratiquement, il faut partir de choses qui sont réelles. Alors ce matin, on, Alors, voit on ce va sur faire des, des économies formidables. Vous savez, on va Mais changer. À moyen terme. Non, très rapidement, au fur et à mesure de nos investissements, on va changer les 34 000 points lumineux. On va avoir des LED intelligents, c'est-à-dire des lumières intelligentes qui vont s'allumer plus fortement quand on en aura besoin, besoin et moins quand on n'aura personne et qui le demandera, quand on marchera, quand on ne marchera pas sur l'espace public. Donc tout ça, c'est des économies formidables qui vont être réalisées et toutes ces économies vont être réinjectées dans des investissements nouveaux. Ce matin, vous avez inauguré cette métropole intelligente Mais... avec un parterre de gr... Grand patron d'entreprises privées. Alors, est-ce que vous remettez euh, les libertés publiques entre les mains des chefs d'entreprises privées Oui, c'est d'ailleurs assez étonnant de voir qu'on pourrait critiquer les grandes entreprises françaises. Parce que euh, Bouygues, EDF, Suez, Capgemini, c'est les plus grands ingénieurs français qui sont rassemblés dans ces quatre grandes entreprises. Et nous, ce que nous pro proposons, c'est l'économie mixte. L'économie mixte, c'est le service public qui se modernise, qui continue d'être en responsabilité, mais qui est aidé à accompagné par des ingénieurs du privé. Pas antinomique euh, on, avec des valeurs de gauche. On, on, ne, vit pas, on ne vit pas à l'époque du gosplan aujourd'hui. On a donc des entreprises qui gèrent pour le compte de la collectivité, qui restent maîtresses de ces investissements. Vous parlait de liberté publique, François Xamene il euh, y, y a un centre de pilotage qui va piloter euh, les caméras de vidéosurveillance, Bien etc., sûr. qui va tout savoir sur notre vie est-ce que c'est sous contrôle de manière éthique, est ce que vous avez pris des garde fous Bien sûr, no notamment les protections des données individuelles, et puis je, je vais faire mettre en place un comité où il y aura des usagers, des citoyens tout simplement, des universitaires, des juristes qui pourront vérifier à tout moment qu'il y a la protection des libertés individuelles. C'est une, pour un homme de gauche comme moi, c'est vraiment quelque chose d'absolument indispensable. Alors restez avec nous François Ressamène parce que l'actualité est riche. Hier vous avez déclenché une polémique. Vous ne souhaitez pas que la prochaine édition de Florissimo se tienne à Dijon. Et la réaction ne s'est pas faite attendre. Le président de l'association Dijon Congrès Expo s'est exprimé ce matin devant la presse. Jean Bateau dénonce une méthode inacceptable. Je vous propose de voir ce reportage signé Caroline Jouret et Rodolphe Augier. Je n'en peux plus du Dijon Congrès Expo bashing. C'est véritablement insupportable. Pourquoi tant de haine Le président de Congrès Expo de pose la question et avance un début d'explication. J'ai refusé certaines exigences exprimées par le maire lors de la négociation de la DSP, exigences qui étaient contre nature, qui étaient illégales hors du champ de la DSP. Une délégation de services publics, un contrat qui donne la gestion des bâtiments, propriété de la ville, à Congrexpo Dijon, qui y organise des événements depuis 1921. La foire gastronomique internationale, aujourd'hui la cinquième de France, en légère perte de vitesse parce que c'est une foire qui sent le graillon, a dit François Repsamen lors d'un conseil municipal. Pourquoi la foire sans crayon Parce que le maire qui en a la charge n'a jamais mis les, les aérateurs qui étaient nécessaires. Donc on ne peut pas. Euh, se, nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes. On ne peut pas reprocher à quelqu'un quelque chose qu'on n'a pas fait soi-même. Hein. Euh, nous faisons, nous, avec les bâtiments tels que la, la mairie les met à notre disposition. Florissimo, initié par le premier ministre de l'Environnement, Robert Poujade, dans les années 1980, a attiré 185 000 visiteurs en 2015. Un énorme succès, mais François Repsamen souhaite reporter l'édition 2020. Un accord verbal nous avait été donné par M. le maire euh, l'an dernier pour la tenue de Florissimo, comme ça se fait depuis 40 ans, hein, au mois de mars 2020. Euh, même d'ailleurs précisant en première quinzaine. Le maire a expressément demandé, et nous l'avons accepté, que cette manifestation soit considérée comme obligatoire dans la, 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 la convention de délégation de services publics signée avec la mairie. Donc très naturellement, puisqu'il nous faut il y a un préalable de trois à quatre ans pour préparer pour préparer une telle manifestation, nous avons engagé des frais. Cent mille euros pour lesquels Dijon Congrès Expo compte bien engager une procédure de demande d'indemnisation. François Repsamen, les accusations de Jean Bateau sont graves. Il dit que vous avez fait des demandes illégales il ne, auxquelles il ne pouvait pas accéder. Aujourd'hui, c'est quoi le problème entre lui et vous? Le problème, c'est que euh, Dijon Congrès Expo, qui gère le, le parc des expositions, euh, fait de gros bénéfices. Et ne veut pas investir pour moderniser l'outil. Et donc, euh, c'est assez traditionnel entre un propriétaire et, et euh, un locataire. Je dis c'est du devoir du locataire et il dit c'est du devoir du propriétaire. Mmh. Donc voilà le, le différent. Pour, congr... pour euh, Florissimo, Florissimo. c'est autre chose. Pour Florissimo, il y a des nouvelles dispositions qui, aujourd'hui, pénalisent la ville. D'abord, je voudrais dire que ce sont les services de la ville qui organisent Florissimo. Ce n'est pas, pas congrès expo. Et vous avez peur que ça soit comptabilisé dans vos comptes de campagne oui, oui, oui. Entre, si jamais euh, il si y a des élections l'année prochaine C'est comptabilisé d'ores et déjà, dans, à partir du moment où les services de la ville interviennent, dans la limitation que le gouvernement nous impose à 1,2% des dépenses de fonctionnement, ce qui n'était pas le cas précédemment. C'est un coût qui est en partie remboursé par congrès Expo mais ça ne, ça ne change rien au fait que ce sont des dépenses qui nous sont imputées directement. S si des événements services... comme ça n'existent plus, que va devenir le palais des congrès. Je n'ai pas Genre. dit qu'ils n'existent plus définitivement, j'ai dit qu'il fallait changer la nature de congrès Expo C'est fini les fleurs coupées. C'est plus à la mode, les fleurs coupées. On vous n'aimez pas le... les fleurs on... et vous n'aimez pas le graillon. On, -le. On, est, <laughs> on est dans l'écologie. On est dans l'écologie. Et l'écologie aujourd'hui, c'est une manière durable de présenter les choses. Et puis, c'est vrai que ça sent le graillon, la foire. La foire, bien sûr. Et s'il euh, y a une baisse de fréquentation, c'est dû à ça. Mais tout le monde le sait. une tout le dernière monde le dit. question sur l'actualité, François Rebsamen, oui. euh... Enfin, je voudrais quand même dire que euh, Jean Bateau ferait bien de faire attention à ses propos. Un mot sur euh, les Gilets jaunes et la nouvelle manifestation annoncée samedi. Des manifestations interdites à Lyon et à Paris, on vient de l'apprendre. Est-ce que vous vous demandez. Au préfet de Bourgogne, de Côte d'Or, d'interdire la manifestation de samedi, puisque vous avez déjà fait part de votre agacement à plusieurs reprises. J'ai rendez-vous, c'est plus qu'un agacement, c'est insupportable, c'est inacceptable de s'attaquer ainsi aux bâtiments publics, à, à nos centres-villes qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, à la préfecture, au personnel. Donc il y a là euh, une atteinte aux libertés euh, publiques, à la République et donc euh, je rencontre le préfet demain il va me faire le point de la situation euh, pour samedi et s'il le faut je lui demanderai effectivement euh, d'interdire cette manifestation mais interdire pour interdire il faut réussir merci. à interdire et c'est ça la plus difficile merci plus françois d'avoir été avec nous.